Salut les colibris, c'est formidable. On a Jean-Claude Van Damme avec nous, le nouveau porte-parole du chant des colibris, l'occasion de lui poser des questions inspirantes. Jean-Claude, chez les colibris, on dit que le changement extérieur se passe par le changement intérieur. Et dans votre film Les Réplicants, vous avez vécu cette révélation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est très dur de jouer répliquant parce que jouer bête, c'est facile. Hein, c'est jouer bête. Mais jouer neutral, neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. Et j'ai pas réussi. Il n'y a personne qui sait réussir ça. Enfin, pas encore de nos jours, d'être vraiment cette personne centrée. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie, on ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. Si les gens comprennent ce que je dis, parce qu'ils vont me prendre pour un... Oh, c'est très clair, c'est vraiment très clair et merci parce que c'est très inspirant. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le domaine de l'inspiration, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre spiritualité? J'ai toujours, je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme, c'est bon, ça contient de la pectine, santé cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, moi non. En fait, le truc c'est... Et Jean-Claude, quelle est votre dernière expérience en lien avec la nature et sa beauté subtile? Ben, je reviens à la Belgique là, aujourd'hui. J'étais chez ma mère pour une journée, aller-retour. Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait. La mer était déchaînée. Et j'ai dû me pencher en avant. T'as vu comme j'aime la vie, hein? J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules qu'on scie autour, qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a poussé la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps, donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que ce n'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super. Donc tu sens la différence entre des molécules compressées oxygène, que des molécules qui sont dans une chambre où c'est bien, quoi. Dernière question, Jean-Claude, et pour vous, quelle est l'ultime étape de l'évolution de l'être humain? Dans l'an 3000, les gens vont parler avec des yeux, avec des ondes. C'est pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent, vu qu'ils savent pas parler dans l'eau, avec des ondes, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love, de hate. Et la communication se fait comme ça.